Je suis docteur Moutoy Moubiala, docteur en droit international de l'Institut des hautes études internationales de Genève. Je travaille comme spécialiste des droits de l'homme au commissariat des Nations Unies à Genève depuis 1993. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème important du droit international, qui est le droit international des droits de l'homme entre universalisme et régionalisme. En 1945, lorsque l'ONU a été créée et la charte des Nations Unies adoptée, la vision était universaliste dans les trois domaines d'intervention des Nations Unies, à savoir.